à Wadi Nasnas et près de deux écoles. On a déjà évacué la première qui est presque sous le feu. Le quartier de Ramot Sapir, dans les hauteurs de la ville, est totalement enveloppé d'une fumée épaisse, poussée par un vent fort qui ne s'atténue pas depuis deux jours. Les secours font du porte-à-porte pour sortir et mettre à l'abri des personnes âgées, parfois de force. Derrière cette porte, un appartement a pris feu. Depuis l'arbre qui touche ses fenêtres, pourtant élevées, les flammes ont tout ravagé. Mais il n'y avait heureusement personne à l'intérieur. Les rues de cette ville montagneuse sont quasiment désertes. Seuls quelques résidents bravent la fumée pour fuir leur ville. Et beaucoup se protègent des cendres avec des masques. Plusieurs centaines d'entre eux n'ont pas hésité à apporter leur aide à des pompiers épuisés. Ces hommes combattent le feu depuis plus de 24 heures. Je n'ai plus d'oxygène dans ma bouteille. Haïfa, l'une des grandes villes d'Israël, sous le feu, et possiblement Jérusalem. Plusieurs feux se rapprochent de la capitale. Nataf ou encore Shahar Hagai sont touchés par les incendies. Plusieurs écoles maternelles à l'entrée de la ville ont été évacuées. Ce sont plusieurs centaines d'incendies qui ont éclaté en Israël depuis trois jours, au centre et au nord du pays principalement. La grande ville de Modine, entre Tel Aviv et Jérusalem, voit les flammes se rapprocher. Départ de feu également, tout près de l'immense centrale électrique à charbon dans la ville côtière de Khedera. L'incendie a finalement rapidement été maîtrisé. Maîtrisé aussi le feu dans la région de Zichron Yaakov, après 29 heures d'une lutte acharnée contre les flammes. Alors, quelle est la situation ce soir à Haïfa? On retrouve, pour le savoir, notre envoyée spéciale, Julia Ganancia. Julia, le point. 75 000 personnes ont été évacuées de leur domicile ici à Haïfa. Ces gens ont été hébergés dans leur famille, chez des amis. Parfois, ils sont allés à l'hôtel. Certains hôtels ont été pris d'assaut par ces habitants. Et puis, d'autres sont tout simplement sortis de la ville pour aller être hébergés dans des kibbutz alentour. L'élan de solidarité est assez important et ce, dans tout Israël. Il y a une solidarité qui s'organise notamment sur les réseaux sociaux. On propose aux habitants de Haïfa d'être hébergés ailleurs, puisque ce soir ils ne peuvent pas retourner chez eux. La situation est encore trop critique. Les flammes se sont approchées très proche des habitations. Certaines maisons ont été complètement détruites par ce feu. Les pompiers vont passer la nuit à surveiller, à neutraliser le feu, à l'éteindre. Et la situation n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de vent. Ce soir, les conditions climatiques ne sont pas simples et il faut surveiller ces braises qui peuvent parfois provoquer un nouvel incendie, même 48 heures après avoir été éteint. Le travail est donc très important. Il n'y a pas l'aide des Canadair puisqu'il fait nuit et les Canadair ne fonctionnent pas lorsqu'il fait nuit. Les pompiers sont donc seuls sur le terrain face aux flammes avec leur camion pour essayer d'éteindre ces feux qui se propagent. Et on va rejoindre à présent notre envoyé spécial Daniel Haïk qui se trouve dans la région de Jérusalem où les feux là aussi n'ont toujours pas l'air d'être maîtrisés. Daniel. Comme vous pouvez certainement le constater, nous sommes à quelques dizaines de mètres à peine de l'autoroute qui relie Tel Aviv à Jérusalem, l'autoroute numéro 1, l'endroit où cette autoroute remonte vers la capitale. Depuis maintenant plus de 36 heures, les pompiers israéliens luttent contre le feu, un feu qui menaçait de toucher la localité voisine de Neveh Ilan. Ils ont réussi à empêcher le feu de se propager dans cette direction, mais on pensait qu'ils arrivaient à maîtriser, qu'ils seraient arrivés à maîtriser ce sinistre hier soir. Mais ce matin, avec les vents très forts qui continuent de souffler, eh bien, le feu a repris de plus belle et il a continué à se propager et des dizaines et des dizaines de pompiers ont tenté de le maîtriser, surtout d'éviter qu'il ne se propage jusqu'à cette bordure de l'autoroute numéro 1 qui relie Tel Aviv à Jérusalem. Ils y sont parvenus, mais comme vous pouvez le constater juste derrière moi, il y a encore plusieurs foyers de feu à proximité de Neveh Ilan, en bordure, non loin donc de cette autoroute. Et donc c'est la vigilance qui est de mise ce soir encore. Des dizaines de pompiers sont sur le pied de guerre pour tenter d'éviter le pire, c'est-à-dire que ce feu ne se propage jusqu'à l'autoroute numéro 1.
Israël à lui seul n'a pas les moyens de maîtriser ces incendies. C'est pourquoi le Premier ministre Benjamin Netanyahu a lancé un appel à des pays amis pour que soient expédiés dans les plus brefs délais des bombardiers d'eau. Appel entendu, la Russie, l'Italie, la Grèce, Chypre, mais aussi la Turquie se sont mobilisés pour venir en aide à l'État hébreu. L'autorité palestinienne, de son côté, a proposé de mettre à disposition plusieurs camions de pompiers. Le point avec Mathias Simbar. Nous ne disposons pas d'assez de force. C'est un appel d'urgence lancé par le chef des services de pompiers israéliens. Car face à l'ampleur des flammes, plus de 600 départs de feu dans tout Israël et plus particulièrement dans la ville de Haïfa, les unités de pompiers sont dépassées. Un appel semble-t-il entendu par les autorités du pays. En tout, plus de 100 camions de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre ces flammes. Plus de 200 soldats réservistes de l'unité de la défense passive ont été mobilisés. Tous les soldats encore en période de classe ont été réquisitionnés pour renforcer les services de police et de pompiers. Dans le même temps, l'aide internationale, 12 canadairs et un hélicoptère, commencent à arriver. Trois avions grecs avec à l'intérieur 32 pompiers ont déjà atterri, de même qu'un avion chypriote avec à bord 7 pompiers. Ils opèrent tous dans la région de Haïfa et des hauteurs de Jérusalem. Avions et renforts humains également envoyés par la Croatie et la Turquie. Ils ne commenceront à travailler que vendredi matin, dans la mesure où les Canadairs ne fonctionnent pas la nuit. Le président français a demandé de son côté l'envoi d'urgence de 3 avions de la sécurité civile pour lutter contre les incendies. L'Italie prévoit également d'envoyer ce jeudi soir 2 avions avec à leur bord 13 pompiers et surtout la Russie, 3 bombardiers BE-200 Beriev avec un réservoir de 12 tonnes d'eau et 19 pompiers à bord devraient débarquer dans la nuit. En outre, un hélicoptère britannique avec 5 pompiers à bord devrait atterrir vendredi matin, en attendant l'arrivée d'un supertanker américain d'un réservoir de 95 tonnes d'eau dans les prochaines 28 heures. Israël aurait d'ores et déjà passé commande auprès de la société privée qui les commercialise. La multiplicité des foyers en un laps de temps aussi court conduit évidemment à privilégier la piste criminelle. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour en déterminer la cause exacte. Les autorités ont pointé ce soir des motivations terroristes. Maël Benoliel. Cela ne fait désormais plus aucun doute pour les autorités. Plus de la moitié des incendies qui ravagent Israël ces 3 derniers jours seraient d'origine criminelle. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le confirme et condamne fermement ces attaques. Je le dis très clairement, chaque incendie qui aurait été déclenché à cause d'un acte criminel ou d'une incitation à commettre un acte criminel est un acte terroriste et il faut le considérer comme tel. Je l'ai dit à toutes les unités de police et militaires et au service de renseignement intérieur, le Shabak. Toutes les personnes qui souhaitent brûler une parcelle de terre en Israël seront punies en conséquence. Des propos repris par le ministre de la Sécurité intérieure. Aujourd'hui, il est clair qu'une bonne partie de ces incendies ont été déclenchés volontairement. Et comme l'a dit le Premier ministre, c'est un nouveau phénomène, un terrorisme incendiaire. Les services de renseignement intérieur israéliens sont en alerte. De son côté, la police israélienne mène l'enquête. Elle a déjà procédé à plusieurs interpellations à travers tout le pays, et notamment du côté de Haïfa. 6 personnes ont été arrêtées ce jeudi. En Israël, certains parlent déjà d'une nouvelle intifada. Une intifada du feu. De leur côté, beaucoup d'internautes arabes de la région se réjouissent si l'on en croit certains commentaires postés sur les réseaux sociaux. Le hashtag « Israël est en train de brûler » a été repris de nombreuses fois, et notamment en Égypte. Il fait même partie des tweets les plus populaires de la journée. Certains voient même ces incendies comme un acte de vengeance de la part des Palestiniens, après le projet de loi israélien controversé sur les muezzines. Ce n'est pas la première fois qu'Israël est en proie à des incendies d'une aussi grande ampleur. En 2010, déjà 42 personnes avaient trouvé la mort dans l'incendie du massif du Mont Carmel. Retour en images sur ce traumatisme avec Jonathan Serrero. Il est aux alentours de 11h ce 2 décembre 2010 lorsque le premier incendie se déclare dans la forêt de la petite localité d'Asfia, située sur les hauteurs du Carmel, à proximité de la grande ville d'Haïfa.
Malgré l'alerte lancée par les services météorologiques, les équipes de pompiers tardent à réagir. La faute au manque de réactivité des sociétés privées en charge de la gestion des Canadair. Il faut attendre 14h10 pour voir les premiers avions survoler la zone incendiée. Un retard fatal. Le feu s'étend comme une traînée de poudre sur toute la région. Le vent accélère l'avancée des flammes sur toute la partie nord du Carmel. Plusieurs zones sont touchées. Devant l'étendue des dégâts, le Premier ministre Netanyahou et les différents ministères ordonnent la mobilisation de près de 500 pompiers. Les services de secours s'organisent aussi pour assurer l'évacuation des habitants des zones sinistrées. L'accès est rendu difficile par la présence du feu. Des opérations de sauvetage qui tournent au drame la nuit tombée. Une équipe de gardiens de prison en route vers les villages embrasés trouve la mort dans l'incendie de leur autocar. Une boule de feu tue les 40 passagers. 5 autres personnes prises au piège des flammes perdent la vie. Le drame suscite l'émoi dans tout le pays. Il oblige les autorités à renforcer les équipes locales de pompiers incapables de venir à bout des multiples foyers d'incendie. Le chef du gouvernement fait appel à l'aide internationale. Des avions venus de France, de Russie, des États-Unis et de nombreux autres pays atterrissent très vite en Israël. Le super-tanker américain parvient à déverser 76 000 litres d'eau sur les forêts embrasées. Le va-et-vient incessant des Canadair venus des quatre coins du monde dure 4 jours pour venir à bout de ce désastre écologique. 5000 hectares de forêt du Carmel viennent de partir en fumée. Un sinistre estimé à 120 millions de shekels, soit 29 millions d'euros. Des dégâts considérables qui, 6 ans après, demeurent dans toutes les mémoires. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette nouvelle journée.